formation en détail. Le président Abdel Fattah el-Sissi a assisté aux tests d'admission de nouveaux employés au ministère de l'Éducation. Ces tests sont menés en collaboration avec l'Académie militaire égyptienne. Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré que le président el-Sissi a suivi le mécanisme d'enregistrement des résultats des tests qui regroupe les données et informations sur les nouveaux recrutés. Le président el-Sissi a eu un entretien avec les recrutés et a souligné que l'État tenait à suivre les plus hautes normes techniques et scientifiques en choisissant les nouveaux employés. Le président Abdel Fattah el-Sissi et le prince héritier et premier ministre d'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman, ont salué les relations historiques et distinguées reliant les deux pays sur tous les niveaux. Le président el-Sissi s'est rendu dans la nuit de dimanche à lundi à Jeddah, où il a été accueilli à l'aéroport par le prince héritier saoudien. Les deux dirigeants ont affirmé leur attachement à renforcer la coopération bilatérale dans les différents domaines. Ils ont aussi évoqué l'évolution de la situation régionale et internationale et ont discuté de toutes les questions d'intérêt commun. Le ministre d'État, membre du Conseil des ministres, conseiller à la sécurité nationale, Dr Moussaad bin Mohamed Al-Aiben, et le ministre d'État, membre du Conseil des ministres, Dr Hassan bin Saad bin Saïd, ont participé à cette réunion. Du côté égyptien, le chef des services de renseignement, le général Abbas Kemel, a lui aussi assisté aux entretiens. Sur son compte Twitter, le président Abdel Fattah el-Sissi a exprimé sa gratitude et son appréciation pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse que lui a réservé son frère, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Le président el-Sissi a salué les relations fortes entre les deux pays, exprimant son espoir de les renforcer davantage sur tous les volets afin de réaliser les intérêts communs des deux peuples. Dans le cadre de l'initiative Kulluna Wahed, où nous sommes tous un, organisée sous le parrainage du président Abdel Fattah el-Sissi, le ministère de l'Intérieur a organisé une visite au musée des civilisations pour les jeunes venant de nouvelles régions civilisées.